Long time aussi dans ce format. J'ai mentionné dans mes deux autres vidéos, mais c'est vrai que le format des vlogs me manquait, donc je vais recommencer à vlogger. Mais comme vous pouvez voir, je suis sur mon téléphone, je viens tout juste de briser ma caméra. Je l'ai échappé et c'est tombé sur la lentille. Donc ça commence bien la journée. vous allez voir les clips juste après que j'ai filmé dans la bibliothèque. En fait, c'était avec ma caméra. Mais oui, en fait, je voulais juste recommencer à vlogger, vous amener avec moi, vous montrer ma vie de tous les jours. Et ce midi, Mathieu et moi, on va aller essayer un nouveau resto. Ça s'appelle Les Bons Amis, c'est un comptoir. Donc ici, Ariel du futur. Finalement, je vais pas pouvoir vous montrer les clips de notre expérience chez Les Bons Amis parce que premièrement, elle a été très très mauvaise. Je l'ai raconté dans mes stories, mais aussi je n'ai rien filmé. Donc je vais plutôt changer les clips pour un joli souper qu'on s'est fait Mathieu et moi aux Dames des Halles. Donc oui, juste après les clips de la bibliothèque, je vais mettre plutôt les footage de notre souper chez les Dames des Halles. Il me reste quelques minutes avant de me préparer puis d'aller chercher Mathieu. Mais oui, on va faire ça. Et juste avant, je voulais vous montrer un nouvel espace qu'on a aménagé à l'entrée. C'est un petit coin lecture. Donc oui, je vais vous montrer ça et je vais aussi vous faire un book haul parce que j'ai reçu quelques livres. Donc voici le plan pour la journée. Puis je crois que ça va être un vlog, un weekly vlog ou un daily vlog à voir si j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui ou sinon durant les prochains jours. Et je voulais aussi vous montrer notre nouveau petit coin lecture qui est juste à l'entrée. Donc en fait, vous rentrez, vous allez voir ça, cette petite pièce juste ici. Au niveau de la console, Mathieu l'a construite avec une planche de bois bien sûr et on a acheté les pieds sur Amazon. On a ici deux wall art ou wall print que Cotton Bird nous a envoyé. Je crois que c'était en hiver passé, j'ai fait une petite collab avec eux. Donc on a ici quelques petits trucs, un cadeau de Marion, c'est un livre de recettes. Ici dans ce petit panier, c'est là où on garde nos clés, nos masques, petite déco, chandelle, sculpture, une autre chandelle, mon café. En bas ici, vu que j'ai pas mal de lits, je vais commencer à les stack up ici vu qu'il y a quand même pas mal d'espace. On a ici ce fauteuil qui est trop confortable et quand même assez grand. Encore un autre wall print de la même compagnie, Cotton Bird. Et ici, c'est là où on a notre petite bibliothèque. Donc malheureusement, on a ici, qui est pas très joli, mais bon, on essaie de compenser avec tout le reste. Donc la bibliothèque, on l'a achetée chez Biliani et on a un peu tout. Petite collection de chandelles juste ici. On a des titres de livres. Je ne les ai pas encore vraiment classés. Mais oui, donc j'ai mis quelques petits sacs, des livres. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une section pour mettre soit de la déco ou vous pouvez quand même mettre des livres si vous voulez. Ici, on a notre petit rack de souliers. Et en fait, juste pour vous montrer, ça c'est ma liste qui va jusqu'ici en fait, tout ça. C'est ma petite liste de livres à lire. Je devrais en recevoir d'autres aujourd'hui. Je vais vous faire un petit haul dans ce vlog. Je vais juste vous dire les titres, sinon ça va être trop long. Mais oui, j'ai pas mal de livres à lire. Et en ce moment, je suis en train de lire The Invisible Life of Addie LaRue. Je suis rendue ici, donc j'ai presque fini. Je pourrais peut-être le finir soit aujourd'hui ou demain. Mais à date, un très très bon livre. Et juste pour vous dire, la plupart de mes livres sont en anglais en fait. Oups, il y a le soleil. Mais oui, là c'est mes livres français, la collection blanche de Gallimard. Mais la plupart, ouais, je dirais que c'est en anglais. Je fais un peu un mix des deux. Donc voilà. Et juste pour vous montrer, voici les 20 livres dans ma liste to be read. Donc on est assis à terre. Il y a des trous là parce que j'ai tous mes livres devant moi. Et en fait, ce sont des livres que je me suis achetés moi-même, des livres de seconde main. Donc en fait, j'ai réalisé que ça coûtait énormément d'argent de les acheter neufs. Et pour la plupart, je vais juste les lire une fois ou deux à trois fois selon, en fait, si j'ai bien aimé, si j'ai vraiment aimé les livres. Donc oui, j'ai décidé d'acheter tous les livres que je pouvais en seconde main. Et si jamais c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, là je vais acheter les livres neufs pour supporter les auteurs que j'aime bien. Donc, vu qu'on en a vraiment beaucoup, je vais pas faire un book haul comme je le fais normalement. Je vais pas vous lire les résumés, je vais juste vous montrer les titres parce qu'il y a énormément de livres. Et juste avant de commencer, la plupart sont vraiment bien notés sur Goodreads, sur Storygraph, juste en général. Donc, si jamais vous cherchez des bons livres, évidemment, je vais recommander ceux-ci. Le premier livre que j'ai acheté ici, The Midnight Library de Matt Haig. Donc celui-ci, je l'ai acheté neuf. The Vanishing Half de Britt Bennett. Ceci, je l'ai acheté neuf. Ça, c'est avant que je découvre en fait tous ces sites de seconde main. La
l'anomalie de Hervé Letellier. Donc, juste pour vous donner un exemple, ce livre, normalement, 9 et 20 euros. Et moi, je l'ai acheté à 8 euros sur les sites de seconde main. Donc, juste pour vous donner une idée des prix des livres de seconde main. The Maidens de Alex Michaelides. Et je crois que j'en ai un autre. Ouais, j'en ai un autre de ce même auteur. Et c'est The Silent Patient. Qui ressemble à ça ici. J'ai The Secret History de Donna Tartt. Severance de Ling Ma. Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. The People in the Trees de Hania Hanagihara. Je suis désolée si je ne prononce pas les noms de la bonne façon. Little Fires Everywhere de Céleste. Je pense que c'est Nguyen, je suis pas sûre. Mais Factfulness de Hans Rosling. Donc celui-ci, c'est pas un roman. Barking at the Moon de Tracy Beckerman. Donc celui-ci, je l'ai reçu de la maison d'édition Publishing House. Donc voilà. Outline de Rachel Cust, pardon. Never Let Me Go, encore une fois, de Kazuo Ishiguro. Donc c'est le même qui écrit Clara and the Sun. Do Androids Dream of Electric Sheep? De Philip K. Dick. Donc celui-ci, en fait, c'est le livre qui a été l'inspiration de Blade Runner, premier et deuxième film. Donc voilà. Celui-ci, The Most Fun We Ever Had, de Claire Lombardo. Donc, ils ont pas mis la page couverture, donc si jamais j'étais à l'écran, je vais vous mettre la page couverture. On the Light We Cannot See, de Anthony Doerr. If I Had Your Face, de Frances Shaw. The Maltese Falcon, de Dashiell Hammett. Et finalement, Pachinko, de Minji Lee. Donc, j'ai 20 livres dans ma liste TBR, To Be Read, dont un qui m'a été offert par la maison d'édition, comme je l'ai mentionné. Et juste derrière moi, j'ai 5 livres Thriller, que la maman d'une amie m'a très gentiment donné. Donc oui, je crois que la plupart sont en anglais aussi, sinon en français, je les ai déjà lus. Donc oui, je suis trop contente. Pour ceux qui se demandent d'où vient cette nouvelle passion de lecture, en fait, j'ai toujours aimé lire. Depuis que je suis toute petite, et c'est vrai que rendue à l'école, on lit plus des livres académiques, donc j'ai perdu un peu mon amour ou ma passion de lire des romans. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de livres fantastiques, donc tout ce qui touchait à, évidemment, Harry Potter, Lord of the Rings. Je lisais, si vous êtes du Québec, je lisais Les Chevaliers d'Émeraude. Il y avait Assassin's Apprentice, Eragon. J'ai lu toute la série de Game of Thrones. J'ai pas regardé la série, mais j'ai lu la série et malheureusement c'est toujours pas terminé. Ça doit faire 10 ans que j'attends la suite. Mais oui, et en fait c'est vraiment depuis mon accident. J'ai eu mon accident, puis puisque vraiment mon visage et mon corps ont été blessés, je pouvais pas filmer, je pouvais pas shoot, je pouvais pas éditer ni rien. Donc j'avais vraiment beaucoup de temps in my hands. Et aussi au niveau de la job, c'était une période de creux, c'était assez relax, donc j'ai repris la lecture et c'est là où en fait j'ai retrouvé ma passion. Donc voilà, je vais finir mon petit café, puis ensuite je vais aller chercher Mathieu et on va aller luncher. On est le lendemain matin, donc hier on a eu un très beau souper, fruits de mer. Donc désolée s'il y a un peu de bruit, on a la clim parce qu'il y a une grosse vague de chaleur en ce moment et il fait extrêmement chaud. Donc oui, aujourd'hui ça va être assez relax. J'ai fini mon café, je vais me faire un petit soin des ongles. Il faut que je le refasse. Et ensuite, je pense que je vais juste passer ma journée à lire et à faire des book reviews. J'ai une très grosse semaine, donc je voulais juste me reposer un peu. Et ce soir, on va chez des amis. Donc on va dîner là-bas, on va aussi dormir là-bas.
Donc, je pense que je vais vous montrer un peu la soirée, ce qu'on mange et tout. Mais voilà, encore une fois, désolée pour la qualité. Je sais que le son est pas super sur les iPhones. Et aussi la qualité des vidéos. Je suis en front camera en ce moment. Donc, sinon, je peux pas voir ce que je filme. Mais bon, c'est la vie. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à ma caméra. Mais il va vraiment falloir que j'achète un nouveau objectif parce que je peux pas faire toutes mes vidéos sur un iPhone. Donc oui, ça va être le plan de la journée, puis je pense que tout après, je vais terminer le vlog parce que j'ai commencé à l'éditer il y a déjà 10 minutes, donc c'est quand même déjà assez long. Donc voici ma caméra que j'utilise pour faire mes vlogs, et en fait, j'avais mentionné que j'avais brisé la lentille, mais c'est plutôt l'objectif. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez ici, la partie de l'objectif est complètement entrée à l'intérieur, tandis que ce bord-là ne l'est pas. Donc en fait, quand j'allume la caméra, l'objectif ne peut plus se déplier. Donc voilà, je suis allée voir un centre de photographie et en fait, ils m'ont dit qu'ils vont pouvoir l'envoyer à leur atelier, mais que minimum c'est 100 €. Si jamais ils peuvent voir que c'est pas trop de réparation. Mais le problème, c'est que ça peut durer entre 3 à 4 semaines, même plus, puisque le monsieur ne vient pas souvent sur Béziers. Donc oui, c'est quand même assez long. Donc je pense que je vais juste acheter un objectif d'occasion en ligne. J'en ai trouvé à 91 € avec livraison et ça arrive dans 3-4 jours. Donc je dirais que c'est une option qui est un peu plus favorable pour moi. Mais ouais. Donc voici le petit soin que je vais mettre. C'est le soin des ongles d'Avril Cosmetics, une marque française. Et je suis en train de lire ce livre juste ici. Donc, j'ai fini The Invisible Life of Adi Wariu. Et je commence celui-ci que j'aime beaucoup à date. Donc, voilà. Et donc là, j'ai fait mes petits book reviews. Et dans le fond, je les écris premièrement à la main. Donc, j'ai un petit carnet avec tous mes book reviews que j'ai ici. Et c'est un carnet qui est trop mignon, que j'ai acheté des archives de Cézanne. Donc, c'est vraiment un cahier juste pour ça, que j'utilise vraiment juste pour ça ici. Et ensuite, je les mets à deux endroits. Donc, il y a évidemment mes petites stories. Donc, j'ai fait quelques stories de book reviews. Et ensuite, il y a évidemment sur mon compte Goodreads. Donc en fait, quand on va dans Red, donc vous allez pouvoir les voir ici. Et évidemment, pour les livres en anglais, les reviews, ça va être en anglais. Et ensuite, pour les livres en français, ça va être en français. Donc par exemple, celui-ci est en français. Oups, j'ai fait edit à la place. Mais oui, voilà. Et voici la très grosse liste de livres que je veux review. Pour la plupart des livres de cette année et sinon de l'année passée, c'est sûr que je vais pas review tous les livres que j'ai lus parce que sinon ça va être trop long, mais je pense que ceux-ci sont les plus intéressants. Donc oui, let's get to work! Thank you.